Le Salon de l'agriculture permet aux agriculteurs de l'Amour et dans le Pré de se retrouver chaque année. Mais aussi de faire de belles rencontres. S'y est-il le rendez-vous annuel des agriculteurs français. Et par là même des anciens candidats de l'émission L'Amour est dans le Pré. Le Salon de l'agriculture, qui a actuellement cours à la porte de Versailles jusqu'à dimanche, est un rendez-vous inratable pour ceux qui vivent de la terre et de leur production. Chaque année, ils s'y réunissent pour partager de joyeux moments entre amis. À la manière d'une réunion de famille, ils réalisent aussi une photo de groupe sur laquelle, cette année, on ne manquait pas de voir aussi l'animatrice du programme que tous aiment tant, Karine Le Marchand. Mais dans un événement de telle ampleur, les rencontres ne se limitent généralement pas au milieu professionnel d'origine des agriculteurs. Le salon brasse en effet un grand nombre de personnalités, politiques, déjà, à l'image du président de la République qui vient toujours en visiter les allées à l'ouverture, mais aussi médiatiques. Jérém Star à l'origine de l'entrevue réputée pour être proche des Français, la Miss France y est, elle aussi, toujours attendue. Miss France 2023, Indira Ampio n'y a donc elle non plus pas coupé. Et en plus de proposer une séance de dédicace rencontrer tout un tas de badauds comme à chacune de ses sorties, la Miss a fait une rencontre peu commune. Une rencontre qui sortait des radars puisqu'elle rassemblait des personnes qui n'ont a priori rien à voir les unes avec les autres. Il faut dire qu'elle a été orchestrée par quelqu'un qui s'y connaît dans le milieu des stars et dialogue avec des gens de tous horizons, Jérém Star, le youtubeur spécialisé dans les people. Dans une photo postée sur Instagram, on a pu voir le jeune homme accompagné de la Miss France, elle-même entourée de Fred, ex-prétendante de l'Amour et dans le Pré en couple avec Pierre depuis la saison 7 de l'émission, elle-même accompagnée d'un autre candidat du programme dont, qui avait lui aussi trouvé l'amour jusqu'à sa séparation de Maud il y a peu, Laurent. Très intimidé en légende de la photo, Frédéric a indiqué, une très belle surprise faite à Lolo, Laurent, note de la rédaction, par notre ami Jérém Star avec Miss France. Dans sa story du jour, l'éleveur de brebis et de vaches allaitantes prêt à attaquer un nouveau chapitre de sa vie, s'est effectivement montré ravi de cette entrevue. Rayonnant sur les photos, il est apparu très impressionné lors de cette rencontre, filmée dans le moindre détail par Jérém Star. Je suis très intimidé, entend-on dire l'agriculteur, au début tout embarrassé aux côtés de la grande jeune fille. Mais l'humour et les discussions ont vite décoincé la situation et tous ont pu passer un moment de convivialité inattendu. Est-ce que t'aurais aimé avoir cette prétendante? A demandé Jérém Star à l'éleveur. Ah bah oui oui oui, alors là, a avoué celui-ci, les yeux pétillants. Le plus joli speed dating de notre Lolo, a résumé Frédéric. À lire aussi je tourne une page pour attaquer un nouveau chapitre, Laurent, l'amour est dans le pré, heureux sur Instagram, Karine Le Marchand le félicite.